C'était génial. C'était, ils ont été super, super des ados bien. Voilà. Non, c'était, ça a été bien parce qu'on a tourné en plus pas à Paris, donc ils ont été tous ensemble. Ce qui était, moi, le principe de base, c'est quand j'ai choisi les personnages, c'est de les choisir parce qu'ils étaient seuls, mais savoir s'ils marchaient à deux, s'ils marchaient en groupe. Et le groupe marchait. Mais je suis pas débile quand même, me sortirait avant. En plus, je me voyais pas lui dire attends deux secondes, je vais acheter un préservatif et le mettre devant, elle est trop la honte, quoi. Non, franchement, au fur et à mesure, tu t'habitues, hein. Putain, j'aimerais pas que déniquer Batman. Bah, moi non plus. Mon envie, c'était de rester vraiment avec eux. C'était de pas avoir trop un regard d'adulte, même si y a forcément un regard quelque part, mais de pas trop avoir un regard d'adulte sur des ados. Et d'être, de se fondre avec eux, d'être vraiment comme si on était une tierce personne et d'être au plus proche d'eux. Pourquoi tu me suis là? Bah, en fait, je voulais te dire un truc. Non, mais laisse tomber, c'est trop con. Bah, vas-y. Mais c'est pas une connerie, mais tu vas voir que c'en est une, alors. Bon, vas-y, dis. Mais arrête-toi. Qui? Bah, Vincent. Ah, lui, je m'en fous, lui. J'avais fait un court-métrage avant avec des ados. Et je crois que c'est au moment du casting que j'ai entendu « Toi, t'es sur qui ?» J'avais fait un petit truc entre deux ados, une petite impro. Et j'ai entendu « Toi, t'es sur qui ?» Je trouvais ça assez génial. Donc je l'ai mis dans le scénario. Et toi, t'es sur qui ? Non, personne non plus. Ça dirait que toi et moi... Enfin... Que toi et moi... Bah, on sort ensemble, quoi.